avec les jeux Smart Game. Voici tout d'abord celui-ci qui s'appelle Parc Ours en forêt. Et oui, c'est un jeu Smart Game à partir de 7 ans. Donc ça se joue tout seul. Il y a plein de niveaux différents. On commence par facile et on évolue. 80 défis proposés. Et donc celui-ci, voilà comment ça se constitue. Vous avez donc un petit livret comme celui-ci où dedans vous allez avoir le montage principal. Le but du jeu Parc Ours en forêt est de ramener les animaux du coup à sa maman. Donc par exemple vous allez avoir différents personnages comme le petit ours, le voici, le petit raton laveur, vous allez avoir le faon, vous avez le bûcheron qui doit aller au niveau du bois, la petite fille au niveau de la tente et le petit lapin. Donc vraiment c'est très très sympa, plein de petits personnages. Et vous avez des choses comme celle-ci qui sont les sapins de la forêt. Donc du coup vous allez monter comme sur le livret c'est indiqué. Du coup vous allez suivre et monter votre forêt pour pouvoir commencer à jouer. Une fois que vous avez monté comme indiqué sur le montage, votre forêt, par exemple comme ceci, hop, voilà, par exemple comme ceci. Une fois que vous avez fait le montage, par exemple, ça peut être, vous devez par exemple emmener l'ours à l'autre ours. Donc pour ça, il va falloir tourner les différentes parties du jeu pour pouvoir débloquer et pouvoir tourner ainsi de suite les parties pour emmener l'ours. Du coup à l'autre ours. Vous allez avoir plein de niveaux différents. Vous allez avoir un où c'est qu'un animal avec plusieurs animaux. Et en fait ça augmente en difficulté. Vous voyez on a junior, expert et master. Donc vraiment plein de niveaux. Bien sûr à la fin vous avez les solutions. Si vous n'avez pas réussi à le défi, vous allez avoir la solution proposée à la fin. Donc ça c'est Parc Ours. C'est à partir de 7 ans. C'est vraiment un très beau joli jeu. Maintenant je vous présente la Cité d'Or. La Cité d'Or c'est à partir de 8 ans. Pareil, 80 défis. Cette fois-ci c'est sur un autre principe. Toujours la même chose, vous avez d'abord un petit livret. Mais en fait pour ce défi là, en fait vous avez une planche comme celle-ci. Et sur cette planche vous allez avoir des petites pièces qui cette fois-ci sont amovible. Vous allez pouvoir faire plusieurs configurations avec ces pièces, sauf celle-ci qui est fixe. Mais toutes les autres pièces, vous allez avoir plusieurs configurations pour pouvoir poser vos pièces sur le plateau. Le principe de celui-ci, c'est que vous avez un plateau vide et le principe est de refaire exactement le même plateau que indiqué sur le jeu. Donc le vert foncé correspond à la forêt, le bleu à l'eau, le vert clair à la prairie, le gris à la montagne. Donc ça, il s'agit des différentes coloris sur la pièce. Et à force de les poser, vous allez réussir à recréer par exemple le modèle qui était indiqué sur votre petit livret. Et pour cela, il va falloir déplacer, tourner les pièces pour pouvoir les déposer au bon endroit et former ainsi le dessin qui figurait sur votre livret. C'est vraiment très sympa. Il s'agit cette fois-ci donc de la Cité d'Or à partir de 8 ans. Vraiment j'adore ce type de jeu. Deux versions différentes de ces cassettes Smart Game, mais deux vraiment très très sympa. Vraiment on devient addict à ces jeux. En tout cas on vous les fait découvrir plus en détail sur le blog. Je vous dis au revoir.